Salut tout le monde, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va tester un autre jeu rétro que j'ai trouvé par hasard. Il s'agit de Jojo Bizarre Adventure sur arcade. Donc, on va tester le jeu. Alors, c'est un jeu de baston, évidemment, tiré du manga de Hirohiko Araki. Voilà. On va essayer le story. Voilà. Ça a l'air amusant. Alors, j'ai toutes sortes de personnages. Ok, on va prendre. Voilà, on va prendre Jotaro, le personnage de base. Parce que je le trouve vraiment cool comme personnage. Tu ne parles pas sérieusement? Voilà, donc c'est l'histoire de Jotaro, un adolescent qui malencontreusement est un petit peu perdu. Il se retrouve en prison, ou plutôt il s'est mis en prison parce que une chose appelée un stand se sommeille en lui et il a peur de blesser quelqu'un. Ils sont. Oui, excusez-moi, je suis obligé de, comment dirais-je, de couper le son parce que j'ai peur qu'on ne puisse pas m'entendre. Donc il reçoit la visite hein, d'un homme qui s'appelle nomme Joseph Joestar, qui pourrait être son grand-père. Donc, alors ce jeu, franchement, il est plutôt sympa, assez, vraiment très agréable à jouer. En même temps, c'est un jeu de baston, hein, vous n'attendez pas grand-chose de ce jeu. Donc le premier adversaire que je suis en train d'affronter c'est Avdol. Lui qui possède le stand du magicien. Ah oui, il y a une chose qui je voulais vous dire que la plupart des noms des stands que les personnages possèdent sont tirés de cartes de tarot. Par exemple, Jotaro c'est le Platinum Star, autrement dit l'étoile. Enfin la carte de tarot de l'étoile et Avdol c'est le magicien. Voilà. Voilà. Donc si vous êtes en plein combat, n'hésitez pas à activer vos stands. Mais par contre, évitez de pas trop les exposer au combat parce que votre part de stand peut quasiment parce que votre stand peut aussi être touché par un ennemi. Voilà. Là, je suis en train de me faire mais saucer. Ah putain! C'est pas grave. Oui, donc votre stand, tout comme votre personnage, peut aussi être touché. Putain, et là, je suis en train de me faire pourrir, putain! C'est n'importe quoi! Bien au contraire. Ensuite, on va affronter un autre mec qui se nomme Kakoin, qui possède lui aussi un stand, celle du Hiérophane. Vas-y, pousse-moi la gueule. Qui est pas vraiment méchant, c'est plutôt un mec qui est possédé par Dio. Bon, mis à part ça, je trouve le jeu. Bon, ça peut être un jeu en 2D, je le trouve pas mal. D'ailleurs, ce jeu est tellement spécial que j'ai presque envie de faire d'autres tests sur ce jeu. J'essaierai de voir si je peux en faire d'autres. Voilà, j'ai réussi à battre Kakoin. Kakoin, je sais. Un nom un petit peu. Un nom à coucher dehors, j'avoue, mais bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et je vous rappelle que ce jeu est tiré du manga de d'Araki. Ah bah je le savais pas. Alors, petite cinématique. Bon là c'est rien, c'est juste la fille de Joseph Joestar qui est possédée par Dio. Ensuite. Ah oui, et on va affronter un mec qui s'appelle Devo the Cursed, ou Devo le Maudit. Alors lui il possède le stand du démon. Un stand tellement spécial comment dirais-je, qui permet de contrôler la poupée. Parce que si vous voyez juste en bas sur votre droite, il y a une poupée que lui seul peut activer lorsque son stand. Enfin, uniquement quand il invoque son stand. Et imperfect. Super. Ah bah tiens, voyez, il a activé son stand. Et la poupée tout à l'heure qui est au sol a bougé. Voilà. Et au passage, Araki s'est inspiré de Chucky.
Quoi, on peut sous-entendre qu'il a regardé Chucky, hein. Voilà. Bon, attention à ne pas faire trop de n'importe quoi. Voilà! Du premier coup. Fantastique, il n'y a pas à dire, c'est vraiment un costaud. Alors, ensuite, si je me souviens bien. Ah oui, on va affronter un mec qui, dont je me rappelle plus du nom, qui possède un stand qui contrôle l'eau. Oh, il va être un peu compliqué, celui-là. Oui, ce mec, il contrôle l'eau. Plutôt, le stand de l'eau, qui s'appelle Jeb. Attends. Ah, putain de merde. Oui, attention parce que vérifiez que l'eau ne vous touche pas. Et vous devez pas perdre de temps. Oula, attention. Voilà, merci. Oh! Et franchement, ce niveau est un petit peu casse-couille sur les bords parce qu'il faut vraiment mais pas perdre de temps. En plus, vous êtes chronométré, hein. C'est vraiment une idée à la con de mettre ce personnage. Oula. Ça va, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. C'est. Voilà, on va sautiller. Peu importe si c'est chiant. Ah, vas-y! Bon, ok. Ah merde, j'ai loupé! Ah putain, j'ai perdu! Oh, connard, va! Bon, c'est la bagarre que tu veux, j'adore ça. Bon, c'est pas grave, on va laisser Jotaro se reposer et on va essayer. Bah tiens, Polnareff. Il est bien Polnareff aussi. Ah mais ce. Ah zut! On revient au début. Ah, oh, c'est pas vrai. Ok, c'est d'accord, c'était une connerie de le choisir.